c'est compliqué parce que c'est un monsieur qui a beaucoup compté pour moi. Ouais. C'est lui qui m'a aidé dans ma carrière de footballeur, c'est lui qui m'a envoyé à Auxerre et tout ça. Les ActuVar, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Premier audio souvenir, on est le dimanche 17 juin 2012 sur M6. Ah, vous proposez une météo hommage à Thierry Roland, décédé la veille. Et on écoute, ça fait presque tout de suite, 10 ans. Et oui, cet déjà, extrait. C'est ouf. Bonsoir à tous. Depuis hier, tout comme beaucoup de passionnés de sport, le ciel est bien triste, même s'il a récupéré l'un des rires les plus communicatifs de tous les temps. Comme disait Thierry, il suffit d'un ou deux excités et les choses peuvent partir en sucette. L'excité, c'est ce gros front bien plus costaud que ce petit anticyclone. Voilà, c'est le coup de sifflet final de cette météo. L'occasion de saluer une légende. Salut mon petit bonhomme, salut Thierry. Bon match ce soir à 20h30 avec un Portugal-Pays-Bas décisif pour cet Euro 2012. C'est un super souvenir, ça, quand oui, même. Oui, mais maintenant, c'est compliqué parce que c'est un monsieur qui a beaucoup compté pour moi. Ouais. C'est lui qui m'a aidé dans ma carrière de footballeur. C'est lui qui m'a envoyé à Auxerre et tout ça. Et on s'est retrouvés des années après sur M6 à commenter les matchs ensemble. J'ai failli le tuer avec une pizza trop dégueulasse un soir. Mais heureusement, parce qu'il mangeait que des clubs sandwich, pépère. Voilà, mais c'est un grand monsieur de la télé. C'est un grand monsieur de ma vie. Donc, ouais, j'ai eu cette chance-là sur M6. C'est Nicolas Tavernot qui dit « Mais attends, t'étais footballeur avant ouais. ». On va te mettre avec Thierry, et voilà. Et ça a été un grand moment, il y a Jean-Marc Ferry. Un beau duo, en tout cas, tous les deux. Bah écoute, on rigolait bien, surtout. Je me suis fait attaquer une fois par une ligue de protection, parce que je faisais trop de blagues à l'antenne. La seule fois où j'ai eu un procès en direct, c'était ça.